Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver après cette longue période de silence, parce que c'est l'été. Et qui dit l'été, c'est synonyme des vacances. Oui, en effet, j'avais pris des vacances pour un petit moment. Ce faire, j'avais décidé de sortir du territoire pour aller à la rencontre des contrées lointaines, et ceci avec mon drone. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les démarches que j'ai dû entreprendre pour pouvoir amener avec moi mon drone. Pour ce faire, j'ai dû chercher pas mal d'informations concernant l'autorisation de drone de loisirs en territoire de destination où je devais y aller, par bon nombre de pays dont les drones sont vraiment interdits, quoi. Pour pas avoir de mauvaises surprises, il a fallu que je m'en assure, savoir si je pouvais l'amener ou pas. Fort heureusement de ma part, le journal officiel du territoire dont je me rendais autorisait l'entrée des drones et le vol dans son territoire, à l'exception de l'interdiction, comme tout pays d'ailleurs, hein, de vol dans des endroits stratégiques, dans des lieux stratégiques. Mais le vol était totalement autorisé. Donc il s'agit du journal officiel du ministère de Transport et de l'aviation civile de ce pays-là. Je m'étais également renseigné sur la compagnie aérienne que j'avais choisie concernant le transport de produits sensibles tels que les batteries au lithium-ion. Ils m'ont expliqué les démarches à suivre et puis je les avais respectées. Et puis bon, c'était bon pour le vol. Je tiens à préciser également que mon drone respectait les catégories qui lui permettaient de voyager en soute, hein. Donc batterie et drone en soute, ça s'est bien passé. Certes, mon drone faisant partie des drones de catégorie drone de loisirs, mais j'ai dû embarquer avec moi mon extrait de registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, hein, vu que je l'avais déclaré quand même, et je me devais de l'emporter avec moi. Or, au cas où des autorités en place me causaient des petits soucis et que je leur présentais, leur prouvais de ma bonne foi. Plus de 8 000 km à parcourir sur quasiment 20 heures de vol, sachant qu'il y a eu des escales et tout ça dans certains pays, je peux vous dire que j'étais quasiment lessivé. Mais bon, ça s'est bien passé. Arrivé à destination sous un atterrissage en douceur, que je félicite d'ailleurs les pilotes pour leur professionnalisme sincèrement, et ce pays d'origine, c'est ma terre natale, mon pays d'origine où je suis né, et voilà les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin pour en vous expliquer un peu comment quel était mon parcours là pour pouvoir voyager avec mon drone. Je vous dis à bientôt et salut les amis. Ciao.